La dernière fois, je suis passée au Morocco Mall. En fait, je suis partie d'abord dans l'intention de voir s'il y avait des soldes, des petits trucs à moins de coût. Et là, je suis tombée dans le panneau. Franchement, c'est vrai que j'ai eu des petites choses à moins de coût, mais je suis tombée dans le panneau. Donc voilà tout ce que j'ai trouvé là-bas. Je suis partie chez Besta et chez Poulidia. Donc voilà, je vous montre tout ce que j'ai pris dans ces deux boutiques. C'est un haut de chez Pull and Beer. Je suis tombée sous le charme de ce haut. Vu que j'aime beaucoup ce genre de haut, c'est un genre de crop top. Voilà. Je vais vous montrer le dos. Le dos, il est comme ça. J'espère que vous arrivez à voir le dos. Le dos, il est comme ça. Voilà, comme je le disais, c'est un genre de haut. C'est ce genre de haut que j'adore. Franchement, je le porte avec des jeans, avec des jupes, avec de... C'est un passe-partout. Et concernant les autres hauts que j'ai eu à prendre, j'ai eu ce haut-là chez... Voilà, celui-là. C'est un haut avec des bras minces. Je l'ai eu chez... Il n'y a même plus l'étiquette. C'est aussi Pull and Beer. Pull and Beer... Je ne sais même plus à combien je l'ai eu celui-là. Attends, je le tire les pièces. Je regarde. Là, c'est quoi Pull and Beer? Je l'ai eu à 89 dirhams. Donc, j'ai eu le haut noir à 89 dirhams chez Pull and Beer. Et celui que je porte là. Ce petit haut sexy que je porte, je l'ai eu aussi chez Pull and Beer à 99 dirhams. Bon, après, ça m'a fait un peu mal quand je suis rentrée chez Bershka et puis j'ai vu des hauts qui étaient en sorte à très 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 bas prix. Franchement, j'étais énervée, mais mon énervement a eu des petites limites vu que j'ai pas eu ce genre de haut chez Bershka. Donc, je vous montre ce que j'ai pris chez Bershka. Ce que j'ai eu chez Bershka, voilà, c'est ce petit haut, toujours des crop top. Franchement, je suis amoureuse de ce haut. Je ne l'ai pas encore mis, mais je suis amoureuse. Et je l'ai eu à 39 dirhams. C'est un haut qui a été soldé à 39 dirhams. Imaginez un peu. Ne vous inquiétez pas si je ne le mets pas dans cette vidéo. Je vais le mettre dans une prochaine vidéo sous forme de lookbook. Et comme deuxième haut que j'ai eu chez Bershka, j'ai eu celui-là, ce petit haut noir. Porté, il est comme ça. Je vous montre la photo. Porté, c'est comme ça, c'est. C'est un genre de crop top. Et je l'ai eu aussi à 39 dirhams. Ça a été soldé à 39 dirhams. Et concernant... Le troisième mot, je l'ai vu aussi chez Bershka. C'est aussi sous forme de crop top. Mais le dos, il est... il y a deux bandes derrière dans le dos. Donc le dos, il est ouvert avec deux bandes derrière. Je ne sais pas si vous arrivez à voir comme c'est du noir. Ça, c'est le dos. Et ça, moi, c'est le devant. Je l'ai eu à 139 dirhams. Voilà, je l'ai eu à 139 dirhams. J'ai pris tout ça, tout ce qui était plus de 100 dirhams, avant de voir les petits hauts soldés à 39 dirhams. Et comme troisième, chose que j'ai pris chez Bershka, j'ai pris cette jupe. C'est une jupe, une mini-jupe. Pas aussi mini-jupe que ça. Une jupe qui arrive aux jambes. Une jupe coupe qui arrive aux jambes. Voilà. J'adore ce genre de jupe-là qui mettent toutes les formes en valeur. Ah, on va tuer pour tuer. Donc, imaginez un peu. Donc,
comme je le disais, ne vous inquiétez pas si je ne le mets pas dans... Je ne mets pas tous ces articles-là sur moi dans cette vidéo. J'en ferai un lookbook pour que vous puissiez bien voir. Dans cette jupe, je l'ai eu à 189 tirailles. C'est la taille M que j'ai prise. J'ai pris la taille M pour que ça puisse bien me dessiner la taille. Voilà. Et comme le dernier article que j'ai pris, l'avant-dernier article que j'ai pris. Bon, là, je ne l'ai pas pris chez Bershka ni chez Pull & Bear. Ça, je l'ai eu au marché. Je suis allée fouiller au marché. Voici ce que j'ai eu. J'ai eu environ 50 dirhams. C'est un genre de culotte. Un genre de short. Donc, on voit. Voilà ce sac-là. Je l'ai pris chez Bershka. J'ai pris ce sac chez Bershka et il est à 299 dirhams. J'adore la couleur souvent. Franchement. Et j'ai pris cette couleur parce que c'est une couleur qui va très bien avec la jupe souvent que j'ai pris chez Bershka. Et je vais associer cette jupe-là à un haut noir. Et ben, on verra ce que ça donne. Moi, j'espère que c'est ça qui vous plaît. Ah, j'ai même pas enlevé ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, voici l'intérieur, comment c'est. Il y a une poche intérieure. Une seule poche intérieure. Je l'ai eu à 299 dirhams. Franchement, je suis tombée sous le charme de ce sac quand je l'ai vu. J'espère que ça vous plaît aussi. Ma nouvelle coiffure, j'espère que ça me va. Et mes sourcils. Je parlais de rattraper mes sourcils. Voilà, j'ai essayé de les rattraper, même si ça se voit un peu. J'ai essayé de les rattraper. J'espère que ça me va bien. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Et aussi, si vous voulez voir le prochain lookbook, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Et aussi, je vous dis merci de toujours d'être là, de toujours être là pour voir la vidéo. Et de toujours être là, de toujours commenter les vidéos. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à inviter vos amis à la voir, à commenter. Voilà. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais de très gros bisous. Bye.